Là-bas, au bout des terres, est un chemin perdu, entre le gris du ciel et l'ocre des rochers. Un sentier ouvert comme une fenêtre sur l'océan et l'infini du monde. Là-bas, au bout des terres, le vent engouffre les certitudes opulentes et la tiède fadeur des rêves suffisants. La marée décuple les mirages sur l'étendue des grèves comme le ressac sur la roche. Là-bas, au bout des terres, la lumière joue des couleurs sur la mer et la lande et fond les nuages dans l'écume des vagues. Là-bas, entre le granit et la jonc, cheminent les rêves et se profile l'ombre des légendes. Quelque part, là-bas, commence et finit le voyage. Depuis plusieurs siècles, le littoral breton a été arpenté par des hommes. Pêcheurs, ramasseurs de coquillages et de goémons, soldats du roi de France surveillant la côte des incursions anglaises. En 1801, Napoléon réorganise le corps de la douane qui avait remplacé sous la Révolution les impopulaires fermiers généraux. Devenue une administration de l'État, dotée de pouvoirs importants, la douane va développer un rôle considérable qu'elle conservera jusqu'à nos jours. Avec plus de 1500 km de côte extraordinairement découpée, une multitude d'anses, de plages, de baies, la Bretagne offre un terrain particulièrement propice au trafic des marchandises. Plusieurs brigades de douaniers sont affectées à sa surveillance. La topographie oblige à découper le littoral en de nombreux secteurs appelés pantières. Chaque douanier a la charge d'une pantière dont il doit assurer seul le contrôle. Au XIXe siècle, les sentiers ne longent pas toute la côte bretonne. Le douanier doit parfois créer le sien à travers les lampes d'agents et les futaies. Trois fois par jour et par tous les temps, il doit parcourir à pied sa portion de littoral, s'arrêtant en poste fixe aux endroits propices aux débarquements frauduleux. Pour passer la nuit, il dispose d'abris, souvent d'anciens corps de garde dont certains remontent au XVIIe siècle. Ils sont parfois équipés d'un escalier montant à une échauguette d'où l'on peut surveiller l'horizon. Tout au long de la côte se succèdent ces abris construits en matériaux divers. Ceux bâtis en pierre ont pu résister à l'usure du temps. Pour rudimentaires qu'ils soient, ces corps de garde offrent aux douaniers un refuge salutaire contre les intempéries. Il y passe la nuit sur un chalut de bois enveloppé dans sa pèlerine. Malgré l'inconfort de cette existence qui évoluera peu en un siècle et demi, en dépit de son caractère solitaire, le douanier y reste en général très attaché. Le sentiment d'accomplir une mission, l'esprit de corps dont fait preuve la profession peuvent expliquer cet attachement. Avec peut-être aussi la beauté des paysages parcourus. Par son métier, le douanier vit au cœur de la nature. Il peut en observer les changements au fil des jours et des saisons, contempler l'infinie variété des lumières sur la mer. En 1950, plus d'une centaine de douaniers parcourent encore le littoral breton, de Cancale à la Roche-Bernard. Mais le monde change, la douane aussi.
L'Europe nouvelle, la mondialisation ont modifié les données. Routes, ports et aéroports sont devenus les points de passage privilégiés des trafiquants. On risque plus d'apercevoir la silhouette du douanier arpentant les grèves et les falaises. Mais il reste un sentier qui porte son nom. Aujourd'hui, ce sont d'autres qui le parcourent. Rebaptisé GR34, le sentier des douaniers épouse le littoral breton sur 1500 km de la baie du Mont-Saint-Michel à l'estuaire de la Vilaine. Ce que n'arrêtent pas les découpages administratifs le prolonge jusqu'à Saint-Nazaire. Soigneusement balisé, entretenu, il s'agit d'un des plus beaux chemins de randonnée de France. Il permet de découvrir la surprenante variété de la Bretagne dans ses paysages, la richesse de son patrimoine, d'approcher cette terre de légende et les hommes qui l'habitent. D'où qu'on l'observe, à n'importe quelle heure du jour, le Mont-Saint-Michel exerce toujours son pouvoir de fascination. Et c'est à distance, loin des hordes touristiques, qu'il dégage toute cette aura mystique qui en a fait un haut lieu de spiritualité. Bien avant qu'il ne soit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, Bretons et Normands se chicanaient sur la propriété du lieu situé à l'embouchure de la rivière Couesnon qui sépare la Bretagne de la Normandie. Les seconds ont eu logiquement gain de cause. Les Bretons se sont fait une raison, disant que le Couesnon, dans sa folie, rejeta le mont en Normandie. Depuis 2005, un énorme projet de réaménagement du site a été entrepris. Il vise à redonner au mont son aspect originel d'île par un désenvasement de la baie, supprimant au passage les infâmes parcs de stationnement qui dénaturent le site. Projet ambitieux, estimé pour l'instant à 134 millions d'euros. Pour assurer le financement, toutes les filières ont été sollicitées. Par rancunier, les Bretons ont répondu à l'appel, reconnaissant implicitement la valeur universelle de ce chef-d'œuvre de l'art médiéval. La baie du Mont-Saint-Michel constitue en elle-même un important écosystème du fait de l'amplitude des marées qui s'y produisent. Très tôt, les hommes ont tenté de tirer profit de ce milieu. À quelques kilomètres du mont, au niveau de Viviers-sur-Mer, une étrange forêt pétrifiée couvre les étendues sableuses sur des dizaines d'hectares. Nous sommes au royaume de la moule de Bouchot. Les Bouchots, ce sont ces puits en bois de chêne enfoncés dans le sable. On en dénombre 322 000 dans toute la baie, sur une longueur cumulée de 270 km. Ils servent de support au développement des moules. La récolte se pratique à bord de barges amphibies indispensables pour s'adapter aux variations du niveau de la mer. Deux hommes suffisent pour assurer le travail grâce à cette ingénieuse machine qui peut traiter 200 bouchons en une journée. Les moules récoltées sont âgées d'au moins un an afin d'atteindre une taille suffisante pour la consommation. Dès que les bouchons ont été débarrassés de leurs occupants, des équipes profitent de la marée basse pour venir installer de nouveaux naissins. Il s'agit de bébés moules qui se sont fixés sur des cordes tendues en mer dans des zones de captage. Le littoral atlantique s'est fait une spécialité de la production de ces naissins qui sont ensuite exportés vers les bassins de production. C'est ici que les jeunes moules vont se développer en se nourrissant du phytoplancton et des micro-organismes en suspension dans l'eau de mer. Une croissance qui ne se fait pas sans risque. De nombreux prédateurs, crabes, poissons, oiseaux de mer apprécient les jeunes mollusques. Sur chaque bouchot, les mythiculteurs posent un filet protecteur qui empêche également que les naissins ne soient emportés par les tempêtes. À la base du pieu, une jupe en métal fait obstacle aux tentatives des crabes.
Au vivier, une équipe prépare les lignes de naissain pour le lendemain. Chaque ligne est enfilée dans un bât largement ajouré qui facilitera la fixation en spirale autour du bouchon. La récolte de la journée est débarrassée de ses filets, lavée, triée et conditionnée pour l'expédition. 2000 tonnes de moules sont produites chaque année par cette seule entreprise. Une production qui n'arrive pas à couvrir une demande en expansion croissante. À coup sûr, toutes ces moules vont trouver leur assiette de frites. J'ai pris les bottes également parce que la dernière fois il y avait de la base. Ah bah oui, mais là il y a des vies qu'on va pas en faire. Alors. C'est pas la glacière qu'on emmène, c'est les médicaments qu'on emmène. Il faut faire attention quand même à la chaleur. Hein. On emmène les médicaments avec nous. Il faut être très prévoyant quand on va à la pêche. À n'en pas douter, nous avons affaire à des spécialistes qui ne laissent rien au hasard. Une pêche de grande marée, ça se prépare. Monsieur Constant et ses amis ont depuis longtemps coché ce jour sur le calendrier. Un coefficient de marée de 116, ça ne se laisse pas passer. Ils ne sont pas les seuls à y avoir songé. Tous les patouilleurs de la région réservèrent leur place à bord des tracteurs mis à leur disposition par les agriculteurs du coin contre une modeste rétribution. Un regard compatissant sur ceux qui vont faire le trajet à pied. Un jour de grande marée comme celui-ci, la mer se retire sur près de 15 km. Un record en Europe. On roule en convoi, en suivant soigneusement le trajet du conducteur de tête. Tout écart par rapport à cette route peut se payer cash. Vases et sable mouvant de la baie ont déjà avalé quelques tracteurs imprudents. Arrivé à destination, chaque patrouilleur dispose de 3 heures pour trouver son bonheur sur un estran rarement découvert. Huîtres, praires et bulots n'ont qu'à bien se tenir. À coup de retour, on a trois ou quatre. Il est cassé, oui, c'est sur le banc des Hermelles, voilà. Hop. On a le droit qu'à 68. Voilà, 60 creux, 60 plates, pas plus. Et 3 kilos de chaque, autrement en coquillage. Voilà. Excellente, elle est bonne. Moi, c'est iodé, c'est frais, c'est bon. Vous avez trouvé votre bonheur? Oui. Un peu, oui. Ah oh, oui. Oh, oui. Il y a déjà pour ce soir et demain midi. Oh, facile, oui. Comme les ramasseurs de champignons, les patouilleurs ont leur coin de prédilection, leur petit secret. Certains vont jusqu'à s'aventurer entre les lignes de bouchons. Un accord tacite avec les miticulteurs leur permet de récolter les moules tombées au sol, mais en aucun cas de les prélever sur les pieux. Le moment de la retraite a sonné. D'ici une heure, la mer va commencer à monter à la vitesse de 20 km/h. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, un coefficient de 116 signifie un différentiel de 13 mètres entre basse et haute mer. Tous les mois, on vient. On vient tous les mois. Hein. La pêche a été fructueuse. Ça vaut bien un petit remontant avant de regagner la côte. Bon, ben, la santé de notre pêche. Vu du ciel, les bancs d'huîtres de Cancale ressemblent à un tableau abstrait. C'est bien l'huître qui a fait la renommée de ce petit port, dit les Vilaines. Cancale obtint le titre de ville en 1545 en qualité de fournisseur d'huîtres de la table royale.
Au XVIe siècle, 100 millions d'huîtres sauvages étaient draguées chaque année dans la baie. À ce rythme, la ressource finit par s'épuiser. Aujourd'hui, l'ostréiculture a pris la relève. Blotti au pied d'une falaise, amarré à son port de la houle, Cancale transpire la mer dans les pierres de ses maisons ou les noms de ses rues. C'est aussi le départ du chemin de ronde qui mène vers la pointe du Groin. Le site est fréquenté par de nombreux promeneurs car il offre un des plus beaux paysages marins de Bretagne. On y voit toute la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à Granville. Parallèlement à la pointe s'étire l'île des Landes, devenue réserve ornithologique. Le chenal qui les sépare est souvent emprunté par la Cancalaise, une des deux dernières bisquines en activité. Au siècle dernier, la région de Cancale comptait plus d'une centaine de ses voiliers de pêche. Ouest de la pointe du Groin, on découvre l'Anse du Guesclin, avec les restes de son fort bâti sur une île par la famille du chevalier du Guesclin. Le domaine changea plusieurs fois de propriétaire, dont l'un des derniers fut le chanteur Léo Ferré, anarchiste mais homme de goût en matière de villégiature. Contiguë à la précédente, l'Anse du Verger abrite une chapelle construite en 1869 sur un ancien site druidique. Dédié dès l'origine aux marins parcourant les bancs de Terre-Neuve, son intérieur est décoré de peintures décrivant les périls de la mer. Au détour du sentier, près de Roté-Neuf, le randonneur tombe sur une étrange statuaire. Ces sculptures sont l'œuvre d'un seul homme, l'abbé Fourré. Une œuvre colossale qui lui prit 25 années de sa vie pour graver jour après jour dans le granit des rochers une saga qui l'obsédait. L'histoire des Roté-Neuf. Pêcheurs, mais également pirates, contrebandiers, les membres de cette famille firent régner leur dictature sur cette partie de la côte dans la seconde moitié du XVIe siècle, rançonnant les navires, pillant les épaves. Leur réputation finit même par inquiéter la cité voisine de Saint-Malo. Il se peut que cette histoire ait alimenté les fantasmes et les angoisses de l'abbé Fourré. À côté de la représentation des Roté-Neuf, il exprime un imaginaire trouble. Monstres à tête de salamandre, reptiles marins, démons grimaçants paraissant sortis de l'enfer. Une fresque gigantesque s'étendant sur 500 mètres carrés de falaise que l'abbé ne pourra achever. Muré dans sa solitude, il décède en 1910, laissant cet étrange héritage. Plus qu'une ville, Saint-Malo est un emblème, celui de l'aventure et du voyage. Dès que l'on perçoit les murailles de la cité corsaire, on ne peut s'empêcher de ressentir les rêves de gloire passée et de visualiser l'aboutissement de leur réussite. Jamais peut-être un territoire aussi restreint n'aura engendré autant d'hommes au destin exceptionnel. D'abord des marins, tant la ville semble liée à l'appel du large. Du Guet-Rouin, Surcouf, des corsaires qui avaient mis leur ambition au service du roi. Mahé de la Bourdonnais, qui fit rayonner la France dans tout l'océan Indien. Un penseur-philosophe, précurseur du catholicisme libéral, l'abbé de Lamennais. Mais le monument auquel Saint-Malo aura donné le jour est un écrivain, le plus grand prosateur de la littérature française, François-René de Chateaubriand. Il a voulu être enterré sur l'île du Grand Bé pour n'y entendre que le vent et la mer. J'allais oublier une autre gloire locale, celui auquel on doit cet îlot de francophonie si vivant en Amérique du Nord, le Québec. C'est paraît-il ici, au pied de la tour Solidor, que Jacques Cartier s'embarqua pour son premier voyage vers ce qu'il croyait être les Indes. Étrange destin que celui de cet homme qui aura poursuivi un rêve à travers une succession d'erreurs. Un humoriste a dit de lui, au départ il ne savait pas où il allait, à l'arrivée il ne savait pas où il était, et en plus c'est pas lui qui payait le voyage. Ces erreurs, Cartier les paiera par une disgrâce, finissant sa vie dans ce manoir de Limoilou, restauré et géré aujourd'hui par une fondation canadienne. Sur la rive gauche de la Rance, face à Saint-Malo, se dresse Dinard, l'aristocratique.
Bon nombre de ces villas monumentales ont été bâties à la fin du 19e siècle par des lords anglais. La ville a gardé cette ambiance un peu british, cet aspect feutré des lieux où l'on se retrouve entre gens de bonne compagnie. Le sentier des douaniers longe les différentes plages de Dinard, passant devant la grotte de la Goule aux Fées. En 1877, les frères Lumière y expérimentèrent leur premier procédé de photographie en couleur. Il fut une époque où Saint-Lunaire se voulait la rivale de Dinard. Aujourd'hui, elle reste une des nombreuses stations balnéaires qui jalonnent la côte d'Émeraude, protégée des déferlantes du large par la pointe du Décollé. En suivant la rive droite de l'estuaire de l'Arguenon, le sentier nous conduit vers un site majestueux dominant le village du Guildo. Eh bien, ces ruines, ce sont les ruines du château du Guildo, château qui a commencé à s'installer sur un éperon rocheux à partir du XIIe siècle au niveau de son entrée. Le Conseil général des Côtes d'Armor a acheté le château et le site dans son ensemble pour le préserver de toute construction bétonnée en 1981. À partir de 1983, une association qui s'appelle l'Association des Amis du Vieux Château s'est créée. Et moi, je suis arrivé en octobre 1986, après avoir quitté le milieu chirurgical que j'avais fréquenté pendant 25 ans auparavant. Je me trouvais un petit peu désœuvré, comme il y avait une association, que ce château appartenait au Conseil Général. J'ai demandé s'il était possible de le dégager. On m'a dit, à l'intérieur, c'est réservé aux archéologues, à l'extérieur, faites ce que vous voulez, vous ne trouverez jamais rien, mais surtout, ne touchez pas au mur. C'est ce que j'ai fait, j'ai simplement dégagé l'ensemble. Cette douve, j'ai mis 18 mois à la dégager, entièrement à la main et à la brouette. À cette époque-là, je ne possédais pas le chenillard que j'ai maintenant. Mais je pense que dans l'ensemble, j'ai dû dégager et déplacer à peu près 20 à 30 000 tonnes de matériaux divers. Et alors, dans ce dégagement de la douve, justement, j'ai trouvé tellement de matériaux à ma disposition, des pierres magnifiques, des pierres sculptées aussi d'ailleurs, que très rapidement, je me suis dit non seulement je vais dégager le château, mais je vais aussi aménager le site. Voici un homme qui mériterait à tout le moins une médaille. Passé 20 années de sa vie en investissant sa peine et son argent pour mettre en valeur un site du patrimoine public aurait dû lui valoir les lauriers de l'administration. À la place, il en a surtout rencontré l'esprit tatillon et bureaucratique. En tout cas, si vous passez par le château du Guildo, vous risquez d'y trouver Monsieur Ladouce en train de travailler. N'hésitez pas à aller le saluer, sa passion pour le lieu est communicative. Alors nous sommes en face du château de Gilles de Bretagne sur la commune du Guildo et il y a une curiosité naturelle au bord de la rivière qui s'appelle les pierres sonnantes. On raconte que ces pierres auraient été vomies par Gargantua après un repas trop arrosé et ces pierres ont la réputation de sonner lorsqu'on les frappe avec une pierre qui est de la même origine qu'elle. C'est une origine très ancienne. Alors nous allons voir si elles sonnent vraiment. Ce ne sont pas les cloches de Rome, mais elles sonnent. Planté sur un éperon rocheux qui a connu toutes les tempêtes, Fort-la-Latte brave les hommes et les éléments depuis le XIIIe siècle. C'est l'un des rares châteaux forts ayant gardé l'essentiel de son architecture d'origine. Cette qualité de conservation, jointe à la beauté du site, lui a valu d'être le décor de plusieurs films, dont celui de Richard Fleischer, avec Kirk Douglas et Tony Curtis, Les Vikings. De Fort-la-Latte, le sentier mène en une heure de marche à l'un des fleurons naturels de la Bretagne, le Cap Fréhel. Formidable avancée rocheuse dominant de 70 mètres les eaux de la Manche, le cap se distingue d'abord par son phare carré, dont les feux sont visibles par nuit claire à une centaine de kilomètres.
Il remplaça en 1950 la tour Vauban, datant de 1702, dont la rampe était alimentée à l'huile de baleine. De nombreux oiseaux de mer nichent sur les îlots escarpés qui bordent Fréhel. Classés en réserve naturelle, on peut y observer au printemps des nichées de goélands argentés, de cormorans huppés, de mouettes tridactyles ou de pétrels fulmars. Cette partie du littoral des Côtes d'Armor est constituée d'une succession de falaises entrecoupées de plages immenses. Pléhérel, les Sables d'Or, le Carroal, le Val-André. À l'extrémité ouest de la plage des Sables d'Or, une petite chapelle semble égarée sur l'îlot Saint-Michel dans un camailleux de rose et de vert. Dans sa crique parfaitement protégée des tempêtes, le port d'Erquy, où 80 bateaux de pêche se partagent le droit d'exploiter les plus riches bancs de coquilles Saint-Jacques de Bretagne. S'il est un endroit d'où il faut voir la baie de Saint-Brieuc, la pointe du Roselier, de préférence le soir à la marée montante. Le jeu des lumières y masquera peut-être les atteintes écologiques subies par une baie autrefois aussi riche que celle du Mont-Saint-Michel. Les eaux usées de Saint-Brieuc, aujourd'hui traitées en station d'épuration, ne constituent plus une source de pollution majeure. Mais pesticides et nitrates de l'agriculture intensive continuent de s'accumuler dans la baie, favorisant le développement des pestilentielles algues vertes. On y a même établi un record pour la Bretagne, avec 6000 tonnes de ces algues ramassées en une seule année. À quelques dizaines de kilomètres au nord-ouest de la baie commence une des plus belles parties du littoral breton, avec en prologue une oasis de nature, les falaises de Plouas. Plus hautes falaises de Bretagne, avec 100 mètres de moyenne au-dessus du niveau de la mer, elles offrent par endroits des anses sableuses fréquentées par les baigneurs et, si le vent est de la partie, les amateurs de char à voile. Cette côte du Goëlo aurait vu débarquer d'Irlande les premiers moines qui évangélisèrent la Bretagne. C'est de l'un d'entre eux que viendrait le nom de Plouas donné à ces falaises. Aujourd'hui, elles offrent un décor magnifiquement préservé pour les amateurs de sport et de nature. C'est toujours au même endroit, vitré. Les gens ont fait des choix en os complètement. Pour un tour. Allez, allez, servir des mains. Oui. Allez Marie. C'est vachement. Moi j'ai trop petit. C'est pas pour les petits ces trucs-là. C'était pour les grands.
L'année prochaine, j'attaque le Mont Blanc, je suis sûre que ce sera plus facile. C'est clair. Et oui, qui disait que la Bretagne est un pays plat? Niché au cœur des falaises, un petit joyau. Le mouillage de Gwynzegal, dont l'origine remonte au 5e siècle. Ici, les embarcations sont attachées à des arbres d'une dizaine de mètres plantés dans le sable avec leurs racines, entourées de pierres à leur base pour les rendre insensibles à la houle et au vent. Il ne resterait que 2 exemplaires en Europe de ce type de mouillage primitif. Il est rare que l'on vous invite à entrer dans une propriété privée. C'est pourtant ce qu'a fait le maître des lieux, sculpteur de son état. Le sentier des douaniers ayant eu la curieuse idée de traverser son parc, il en a profité pour offrir au regard des promeneurs quelques exemples de son œuvre. Il y a Vivaldi, il a fait les 4 saisons en musique. Moi, je les ai fait en sculpture. Alors ça, c'est l'hiver, tout le monde se renferme. Ça, c'est l'été, on marche sur la plage. C'est le repos, un peu. Bon, ben, ça, c'est la mauvaise période, c'est la période des feuilles. Les feuilles des arbres qui tombent, les feuilles d'impôts, les feuilles de classe. Donc c'est l'automne. Et puis ici, là, c'est le petit bébé dans son... C'est la renaissance, c'est le printemps. Il sort de sa gangue. Mais celle-là, je viens de la finir. Donc j'avais une pierre qui ressemblait à... Enfin, qui avait tout à fait la forme d'un cœur. J'ai voulu faire... D'habitude, un enfant, ça sort du ventre. Mais d'abord, je trouve que ça sort d'un cœur. Donc j'ai fait un enfant qui n'est pas complètement fini, qui est toujours dans sa gangue et qui sort d'un cœur. Donc j'avais commencé par faire les lunettes parce que j'avais une idée en tête. Et puis ça n'allait pas du tout, alors... Et un copain qui m'a dit il n'y a qu'un seul bonhomme qui peut avoir des lunettes comme ça, c'est Cousteau. Alors je me suis mis à faire Cousteau et puis il est sur sa calypso avec les traves qui font la mer. Il est avec son copain, le dragueur de sirène. C'est l'inverse de la petite sirène de Copenhague. Et théoriquement, il devait être coulé en bronze pour être mis au large de Bréhor. Pour dire qu'en Bretagne, nous, on a le reproducteur. Quito maîtrise aussi bien la pierre que le bois qu'il associe dans ses sculptures d'un style inclassable, frôlant le surréalisme. Il n'hésite pas à s'attaquer à des œuvres monumentales, dont certaines ornent villes et côtes de Bretagne. Passé le village de Plouézec, le relief s'adoucit pour faire place à un écrin de verdure où s'est établie l'abbaye de Beauport. Alors, c'est une abbaye qui est tout à fait au bord de la mer, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui a été fondée en 1202 par un comte du Goëlo qui a fondé cette abbaye à la mémoire de ses parents. Donc c'était quand même une abbaye extrêmement vivante, riche, qui à l'époque possédait des terres en fait jusqu'en Angleterre, donc qui a étendu, on va dire, sa fortune comme ça au travers de à peu près 3 siècles en asseyant un pouvoir très très fort, tout à fait féodal. Beauport mérite bien son nom. C'est l'une des rares abbayes maritimes de France. Elle possédait son havre permettant d'accueillir les bateaux qui lui apportaient des ressources en hommes et en biens. Une abbaye pied dans l'eau, au propre comme au figuré, puisque l'on sait par les récits des moines que la mer pénétra à plusieurs reprises dans les jardins. C'est de la mer que les moines tiraient une bonne partie de leur subsistance en établissant des pêcheries le long de la côte. Beauport fut le plus important centre économique de la région jusqu'au XVe siècle,
attirant par son renom les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le long déclin de l'abbaye, consacrée par la Révolution, coïncida presque avec l'essor économique d'une cité voisine qui, au XIXe siècle, allait connaître son heure de gloire, Paimpol. Paimpol fut l'un des premiers ports à se lancer dans la grande pêche. De ses quais partaient des dizaines de goélettes armées pour traquer les bandes morues en Islande. C'est en partie pour commémorer l'esprit de cette épopée maritime qu'une association organise tous les deux ans la fête du champ de marin. Pendant trois jours, la ville change de visage, accueillant dans ses bassins portuaires les vieux gréments venus de toute l'Europe. Il y avait trois jolies demoiselles, belle Madeleine et Madelon, Madila. Et la plus jeune Madeleine, Madelon, Lila. Elle est la plus belle. La plus jeune Madeleine, Madelon, Lila. Elle est la plus belle. Et la plus jeune, elle est la plus belle. Hey, belle Madeleine et Madelon, Madila. La plus jeune, elle est la plus belle. Si la célébration du chant de marin reste le fondement de la fête, elle s'est ouverte très tôt à des contrées musicales très différentes, en gardant comme fil conducteur le voyage et la convivialité. En ce sens, Paimpol reflète bien ce qu'est devenu la Bretagne actuellement. Un pays ancré dans ses traditions, fier de les faire partager, mais aussi un pays qui sait s'ouvrir sur le monde et s'enrichir de ses apports culturels, avec en prime un formidable sens de la fête. Matelot, à l'Antille, il y a les filles, rue des trois matelots.
des filles que le sang chaud. Quand je fais la brune, quand je fais la brune, avec Marianne, avec Marianne, il se prend pour un poisson plat. Du genre un immense, seul flétan, pas comme lui, hein. Nageant au fond de l'océan, pour un voyage au septième ciel, au septième ciel, fait dans le plus simple appareil. Du nid, faut naviguer, au presserré, puis faire du surf dans les rues. Rue des trois matelots, à Nantes, les filles, rue des trois matelots, des filles que le sang chaud, rue des trois matelots, à Nantes, les filles, rue des trois matelots, des filles que le sang chaud. À Ploubazlanec, le mur des disparus commémore le tribut payé par les marins à la grande pêche. De 1852 à 1930, 120 goélettes et 2000 marins furent engloutis par la froide mer d'Islande. C'est là où est au lag et que les vêteurs en zobet n'y vaissavet. Et l'on dit la 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 la, et l'on dit la 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 la. Leurs en zobet n'y vaissavet d'aver et kériti. À proximité, sur une colline dominant la mer, se dresse une simple colonne de pierre. C'est de là que les femmes des marins guettaient le retour des bateaux après 6 mois de campagne en mer. Lorsque la voile attendue n'apparaissait pas à l'horizon, certaines savaient qu'elles allaient prendre le deuil. Pierre Loti a nommé cet endroit la Croix des Veuves. Même si le sentier des douaniers ne fait jamais d'incursion insulaire, nous allons faire une première exception en franchissant le petit bras de mer qui sépare la pointe de l'arc ouest de l'île de Bréa. Comment résister à cette île ? En fait, deux îles jumelles, sans voiture, où la floraison explose à la belle saison, où le rose des rochers fait ressortir le bleu de la mer. Bréa se déguste comme un mets de choix au gré des flâneries qui mènent vers le moulin à marée du Birlot ou la chapelle de Kéranrou. 470 personnes vivent à l'année dans ce petit paradis. Elles voient arriver avec une certaine anxiété les mois d'été et ses vedettes pleines de touristes. Mais bien vite, Bréa retrouve sa quiétude, troublée seulement les jours de brume par la corne du phare du sémaphore. Le sillon de Talbert, une langue de galets et de sable lancée comme une flèche de 3 km sur une mer surgit d'un rêve tropical. Plougrescamp, à la pointe la plus septentrionale de la Bretagne. Plougrescamp, un puzzle de roches, de terre et d'eau. Tréguier, l'un des 7 évêchés de Bretagne. Passage obligé des pèlerins qui, aujourd'hui encore, pratiquent le Trobrèze, le tour des chefs-lieux diocésains de la région. Cette ville a également vu naître Ernest Renan, un des plus grands esprits de son temps, et, fait étonnant pour un Breton du XIXe siècle, un des chantres de la laïcité moderne. Le nom de Perros-Guirec vient de Saint-Guirec, un moine gallois qui aurait débarqué sur cette côte dans une auge de granit. Sur la commune voisine de Ploumanac, un oratoire du XIVe siècle abritant sa statue était autrefois assidûment fréquenté par les jeunes filles. La légende disait qu'elle se marierait dans l'année si elle réussissait à planter une aiguille dans le nez du saint. À force de piqûres, celui-ci a perdu son appendice nasal. Si la Bretagne est le pays de la voile, Perros-Guirec en est la Mecque.
Les voileux de tous horizons viennent régulièrement s'affronter dans ces eaux aux courants redoutables parsemés de cailloux. On n'en finirait pas d'énumérer les noms des grands navigateurs de course au large que cette terre a produit. Tabarly a eu de beaux héritiers. Michel Desjoyeaux est l'un de ceux-là. Nous le suivons ici dans un bord de largue au départ de la solitaire du Figaro, course qu'il allait gagner pour la troisième fois. Entre Perros-Guirec et Trébeurden, s'étire sur une vingtaine de kilomètres un miracle géologique, la côte de granit rose. S'il est une portion du sentier des Noigniers qu'il ne faut pas manquer, c'est bien celle-là. De préférence le soir, lorsque les feux du couchant embrassent ce granit de 300 millions d'années. Les ombres qui s'étirent décuplent la magie des formes et les évocations qu'elles suggèrent. Mimétique dans ce paysage, le phare de Porskamor marque l'entrée du port de Ploumanac et semble veiller sur ce chaos. Depuis la côte, on aperçoit dans le lointain une île dont le sommet semble couvert de neige. C'est l'île Rouzik, qui fait partie de l'ensemble des 7 îles classées en réserve naturelle depuis 1912. En approchant en bateau, on réalise que ce que l'on prenait pour de la neige, ce sont des oiseaux. Des dizaines de milliers d'oiseaux, la plus importante colonie de fous de bassin de France. 17 000 couples nichent ici à la belle saison. Personne, direz-vous, n'est assez fou pour aller compter des fous sur une île aussi escarpée couverte de guano. Eh bien si, il y a des gens pour cela, des gens remarquables d'ailleurs, qui gèrent cette réserve où l'on trouve 12 autres espèces d'oiseaux marins et même une colonie de phoques gris. En Bretagne, les chapelles semblent sortir de terre à chaque détour du sentier. Celle du Yodet mérite que l'on s'y arrête pour une curiosité datant du XVIIe siècle. Au fond du chœur, sur un retable dominant l'autel, un lit où repose la Vierge Marie, l'enfant Jésus à ses côtés. Ce serait la seule représentation existante d'une Vierge couchée dans la chrétienté. Au pied du lit, sous l'apparence d'un roi couronné, Dieu veille sur la mère et l'enfant. Toute cette région est très riche en enclos paroissiaux. C'est l'une des spécificités de l'art religieux en Bretagne. Construit entre le XVe et le XVIIe siècle, il s'organise autour d'une église, regroupant en un lieu fermé le cimetière, un ossuaire, et enfin le calvaire où des scènes de la Passion entourent un Christ en croix. L'enclos est le lien entre le monde des vivants et celui des défunts. Il est aussi l'expression de la ferveur religieuse d'un peuple pendant des siècles. On dit sous forme de boutade qu'un breton qui n'est pas à l'église, on le trouve au café. Mais ce café-ci, il faut aller le chercher, perdu au bout d'une pointe du Nord Finistère. L'endroit, il est vrai, sort de l'ordinaire, comme son propriétaire, Lan Maffart. C'est la librairie rurale la plus isolée de France, probablement. Et c'est venu, c'est une somme de hasard, c'est-à-dire que nous étions à la recherche d'une maison, ma compagne et moi. Et la maison que nous avons découverte il y a maintenant 12 ans était un ancien café, abandonné depuis quelques années, et dont personne ne voulait, précisément parce qu'il était trop isolé. Et nous nous sommes dit, bien, puisque c'est isolé, les gens viendront de loin, et pourquoi pas y mettre des bouquins. Voilà. La valise, je l'ouvre pour moi-même, de temps à autre, et aussi à la demande de visiteurs qui en ont entendu parler par ceux qui les ont précédés. Cette valise est une création d'un peintre qui vivait encore récemment dans la région, Francis Coulet, qui m'en a fait la surprise à la suite d'un texte que je lui adressais, où je parlais d'un paysage qu'on pouvait emmener en voyage. Le Finistère, comme son nom l'indique, c'est la fin des terres, l'extrémité occidentale du continent. À partir de là, on entre dans une Bretagne plus austère, même si elle offre encore au début quelques leurs hospitaliers, comme la baie de Morlaix. En son cœur, l'île Louette et le château du Taureau, frère jumeau du célèbre Fort Boyard.
Sur les côtes du Léon, les terres de primeur sont omniprésentes. C'est notamment le royaume de l'artichaut. Saint-Paul de Léon tire son nom de celui d'un évêque du VIe siècle, Saint-Paul Aurélien, qui s'écrit P-O-L, alors que la cathédrale qui lui est consacrée s'écrit P-A-U-L. Allez y comprendre quelque chose. Beaucoup plus fréquentée par les visiteurs que Saint-Paul, la cité voisine de Roscoff, port des ferries vers la Grande-Bretagne et l'Irlande. De tout temps, l'activité de Roscoff a été tournée vers la mer. En témoignent au centre-ville les demeures des négociants et armateurs dont les façades sont enrichies de tourelles, gargouilles et sculptures, signe d'une certaine opulence. S'il est souvent pluvieux, le climat du Finistère Nord est exceptionnellement doux, favorisant la floraison de nombreuses plantes d'agrément. On a même réussi à y implanter un jardin exotique renfermant 3000 espèces de plantes australes, dont quelques rares variétés de cactus. C'est à partir de Roscoff que commence la côte des légendes. Le nom fait rêver, mais les réalités de l'existence il y a 3 siècles étaient celles d'une extrême pauvreté. On dit que les habitants, pour survivre, tentaient de provoquer des naufrages en allumant la nuit sur la côte des feux qui guidaient les bateaux vers les récifs. Ces pagans avaient la réputation de farouches pilleurs d'épaves, capables de transporter en une nuit la cargaison d'un navire. Un édit du roi en vint à punir de mort par pendaison tout individu ayant provoqué un naufrage ou en ayant tiré profit. En réponse, une chanson du pays pagan affirme « Le vent du nord amène les épaves à la côte, et moi d'y courir pour y faire mon beau diable, et même si je devais être pendu, j'emporterais mon butin sur mes épaules. » Aujourd'hui, il y a foule dans la ferme des Le Guen. Parents, voisins, amis, tous sont venus faire la fête en commémorant une tradition ancestrale. La récolte du goémon. Beaucoup ont dans leurs ascendants proches d'anciens goémoniers et tiennent à respecter les règles en matière d'équipement. À commencer par une bonne paire de sabots garnis d'un lit de paille pour le confort du pied. En quelques minutes, Monsieur Antoine et son assistant vous confectionnent une paire sur mesure à faire pâlir Weston et Berluti. Autrefois, l'utilisation du goémon était essentiellement destinée à l'agriculture pour l'amendement des terres cultivées et l'alimentation du bétail. Les goémoniers étaient donc des paysans possédant l'indispensable cheval de trait breton, une race exceptionnelle capable de tracter de lourds chargements sur le sable des grèves. La récolte se faisait à marée basse en détachant à la faucille les algues accrochées aux rochers. Elles étaient ensuite chargées sur la charrette pour être séchées au soleil ou brûlées dans des fours à goémon. Une autre technique de récolte, très originale, était utilisée sur la côte des légendes et dans le pays des Abers au moment des grandes marées. Le jusant livrait alors aux goémoniers des terres habituellement recouvertes par la mer. Les hommes disposaient de 6 heures pour édifier un énorme tas de goémon qu'on appelle la drone. Certaines drones pouvaient mesurer 3 mètres de hauteur pour un poids de plusieurs tonnes. Il convenait alors de solidifier l'ensemble par un réseau de cordes. Tous les hommes unissant leurs efforts pour tendre ces liens au maximum. Leur travail terminé, les goémoniers regagnaient la côte avant la marée montante, laissant 2 d'entre eux sur la drone. Il ne restait plus à ces 2 volontaires qu'à attendre que le niveau de l'eau transforme leur amas de goémon en un radeau flottant, avec quelques bouteilles pour passer le temps.
Commencez alors la partie la plus délicate. Guidez la drone vers la côte en utilisant le sens du courant. Rien de moins manœuvrant que 3 ou 4 tonnes d'algues livrées au gré des flots avec deux perches pour gouvernail. Il arrivait que les cordes se détendent, libérant le goémon, précipitant les hommes dans la mer. Comme beaucoup de Bretons, à l'époque, marins compris, ils ne savaient pas nager. D'autres fois, les courants poussaient le radeau loin de la destination prévue. Dans le meilleur des cas, on retrouvait quelques heures plus tard le goémonier transit froid sur une plage à des kilomètres du lieu de la récolte. Les difficultés de ce métier et la solidarité qu'il mettait en jeu expliquent que l'activité goémonière soit restée un élément fort du patrimoine culturel local. Aujourd'hui, la récolte des algues se pratique en mer avec des bateaux spécialement équipés. Un bras motorisé, terminé par un crochet qu'on appelle le Scooby-Doo, permet de ramener en une seule fois ce qui nécessitait plusieurs jours et une abondance de bras. C'est dans le port de Lanildut que la plupart des bateaux goémoniers viennent décharger leur cargaison. La côte nord du Finistère est particulièrement riche en variétés d'algues, dont on trouve aujourd'hui des utilisations de plus en plus intéressantes. Ces laminaires qui sont chargés dans des camions servent dans l'industrie agroalimentaire. D'autres algues sont de plus en plus utilisées en pharmacie et en cosmétologie. Une richesse pour la Bretagne, mais une richesse menacée. Orsal. Ce nom ne vous évoque peut-être rien. C'est celui d'un charmant port breton, point de départ d'une des plus grandes catastrophes écologiques du XXe siècle. Le 16 mars 1978, à la pointe Saint-Mathieu, la mer est grosse et la météo annonce des vents de force 9. À 10h45, la Moco Cadiz, un pétrolier naviguant sous pavillon libérien pour le compte de la Standard Oil de Chicago, annonce par radio que son gouvernail ne répond plus. À l'époque, il n'y a pas de remorqueur civil français dans les parages. C'est un remorqueur allemand, le Pacifique, qui intercepte l'appel. Il dépend d'une société basée à Hambourg, qui commence aussitôt à négocier le remorquage du pétrolier avec la compagnie américaine. Le marchandage dure une partie de la journée. Lorsque les deux parties se mettent d'accord, le vent a forci, formant des creux de 10 mètres. L'amarre, lancée par le Pacifique, casse, et la Moco est drossée sur Mengulven, un rocher devant Port-Sal. La Moco commence alors à saigner son pétrole. 230 000 tonnes de pétrole qui vont se répandre sur la partie écologiquement la plus riche des côtes bretonnes. Pour réaliser l'impact d'une telle catastrophe, il faut parcourir la côte de Roscoff à la pointe Saint-Mathieu, en passant par la splendide région des Abers, ces endroits uniques où la mer pénètre de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. On y pratique depuis longtemps l'ostréiculture. L'ensemble du littoral dépend économiquement de la mer. On est au confluent des eaux de la Manche et de l'Atlantique. Le brassage opéré par les courants les rend particulièrement riches en phytoplancton et micro-organismes marins qui favorisent le développement de la chaîne alimentaire. Les eaux côtières abondent en coquillages, goémons, crustacés de toutes sortes, dont vivent de nombreux petits pêcheurs locaux. La richesse de ce milieu profite également à une multitude d'oiseaux de mer qui ont investi de longue date îlots et récifs. Enfin, la beauté des sites attire chaque été un tourisme balnéaire qui apporte un complément de revenus aux habitants. En quelques heures, tout cela va être ruiné pour des années. Au total, ce sont plus de 300 km linéaires de littoral qui vont être défigurés. L'urgence commande d'entamer l'épuisante corvée du nettoyage. La solidarité bretonne va jouer à plein. Des milliers de volontaires bénévoles, de tous âges, de tous horizons, se relaient, avec des moyens souvent dérisoires, sans masque de protection pour ramasser la boue immonde. Tandis que les pouvoirs publics se perdent en commissions d'enquête, les communes sinistrées, regroupées en syndicats, décident d'attaquer le pollueur sur son terrain, aux États-Unis. Une terrible bataille juridique qui se terminera des années plus tard par la condamnation de la Standard Oil et par le versement d'une indemnisation, dérisoire eu égard au coût de la catastrophe. Une marée noire, c'est comme une guerre. On espère toujours que ce sera la dernière. En 1999, le naufrage de l'Erika libérait 40 000 tonnes de brut sur les côtes sud de la Bretagne. Comme si les marées noires ne suffisaient pas, la Bretagne s'est mise à partir des années 70 à produire sa propre pollution.
Elle se traduit dans plusieurs baies par la prolifération d'une algue, cette fois totalement indésirable. Une algue qui se gorge de l'azote et des nitrates véhiculés par les rivières qui se jettent dans la mer. Ces polluants proviennent principalement des engrais, de l'agriculture intensive et des lisiers rejetés par les élevages de porcs. Ces algues, en se décomposant, provoquent des nuisances olfactives. Les touristes fuient les plages touchées par cette marée verte. Le coût de leur ramassage à la charge des collectivités locales est en augmentation constante. Derrière le charme de son port et de ses maisons anciennes, la petite ville du Conquet cache une histoire sanglante. Elle fut totalement rasée en 1558 par une escadre anglaise. Un drame emblématique du lourd tribut que dut payer la Bretagne aux incursions venues d'outre-Manche. Au XVIIe siècle, Vauban entreprend la construction d'une série d'ouvrages de défense pour protéger la rade de Brest, dont le fort de Berthaume, bâti sur une île, commande l'entrée. Le dispositif est complété par les forts du Mingan, du Delec et du Petit Minou, au nom bien peu guerrier. Le nombre et l'importance de ces constructions, équipées à l'époque de batteries d'artillerie, montrent la priorité accordée par Vauban à la défense du seul accès maritime de la rade, le goulet de Brest. C'est ce chenal de près de 2 km de large qui conduit à l'une des plus belles rades du monde. Un plan d'eau de 150 km², à l'abri des tempêtes, navigable toute l'année. Un tel site ne pouvait que donner naissance à un port militaire. Il abrite aujourd'hui, sur l'île Longue, la base des sous-marins nucléaires de la Marine nationale, ce qui fait de toute la rade un endroit sous haute surveillance. Avec la tour Tanguy, le château de Brest est le seul vestige de l'ancienne cité à qui Henri IV donna le titre de ville en 1593. Il faut dire que Brest paya un lourd tribut à la Seconde Guerre mondiale, subissant pendant 3 ans les bombardements alliés contre les bases sous-marines allemandes. Comme toutes les reconstructions de l'immédiate après-guerre, la ville manque d'âme. 112 jours de pluie et 74 de brouillard pourraient achever le moral de n'importe quel visiteur. Mais cela n'empêche pas les Brestois d'adorer leur ville. Brest produit même des artistes qui ont trouvé dans les friches portuaires un lieu pour exprimer leurs fantasmes picturaux. Pour découvrir de vrais chefs-d'œuvre, il faut sortir de Brest. C'est au fond de la rade que se nichent 2 trésors. Les abbayes de Landévennec et de Daoulas. Daoulas en particulier, qui aurait été fondée en 550 et connu son apogée au XIIe siècle, comme en témoigne son remarquable cloître roman. L'estuaire de l'Aulne, à Landévennec, marque le début de la péninsule de Crozon. Cette langue de terre de 30 km en forme de calvaire concentre ce que la Bretagne peut offrir de mieux dans sa diversité. Des sites naturels spectaculaires, de pittoresques ports de pêche, un patrimoine historique remontant au néolithique. À la pointe des Espagnols, les vestiges des fortifications rappellent les affrontements qui, au XVIe siècle, opposèrent les ligueurs, soutenus par l'Espagne, aux troupes du roi Henri IV. Camaret connut également son heure de gloire en 1694 par une victoire sur les flottes anglo-hollandaises. Victoire acquise grâce à une tour de défense imaginée par Vauban et à la bravoure des Camartois eux-mêmes. Cela valut à Camaret le titre de gardienne du littoral armoricain et à ses habitants le privilège royal d'être exempté d'impôts. Une balade à Crozon ne permet pas seulement une plongée dans l'histoire. Elle offre l'occasion de s'immerger dans une nature préservée, de préférence en août, lorsque la floraison de la bruyère couvre les landes d'un tapis pourpre. L'extrémité occidentale de la péninsule s'achève sur une ramification de falaises spectaculaires qui ont suscité des vocations d'alpinistes en plein cœur de la Bretagne. Marco et Mathilde ont fait de la pointe de Pénir leur terrain d'escalade. Ici, les falaises de grès armoricain dominent l'Atlantique de 70 mètres, se prolongeant en mer par les célèbres tas de poids.
Appuyer, c'est cette sensation de hauteur créée par le bruit de la mer qui est en dessous, le vent qui est toujours en train de nous prendre dans les cheveux, dans les vêtements. Et c'est vrai que ça donne une sensation assez surnaturelle par rapport à ce qu'on peut voir en montagne. Voilà. On a déjà 2 heures. On a déjà 2 heures. Je pense qu'on va directement y aller comme ça. Ouais, c'est une bonne idée, oui. On va couper. La partie du sentier qui longe la côte de Camaret à Morgat se révèle être une randonnée incontournable. Elle réclame juste de bonnes chaussures, quelques provisions et un gros week-end devant soi. Passé l'anse de Penade, le chemin longe les menhirs de l'Agadjar, datant du néolithique. Et dans un étrange raccourci historique, les blocos allemands couronnant la pointe de Penir. Où sont les souvenirs des martyrs, dans l'honneur enfoui, que sont devenues les promesses, les écrits jamais suivis. À Crozon, la dureté de la roche brave depuis des millénaires les assauts de la mer. Ce combat permanent a généré un découpage de la côte en une succession d'étraves de pierre aux formes tourmentées. Je sais pas, j'ai le jambon cru, moi, je crois. Et en dessous, je le confirme, le verre est vide. C'est bon. La baguette de Camaret, je vous dis pas. À partir du cap de la Chèvre, les paysages commencent à changer. Abrité par son orientation des redoutables vents de Norrois, le littoral voit apparaître conifères et feuillus. Pour peu qu'un rayon de soleil déchire alors les nuages, cette Bretagne-là se donne des allures de Corse ou d'Estérel. Les côtes du Finistère déroulent un chapelet d'églises, de calvaires, de chapelles, témoignage de la foi d'un peuple qui a projeté ses espérances dans ses livres de pierre. Il semble que certaines terres suscitent plus que d'autres une quête de spiritualité. Celle où l'austère beauté des paysages et la puissance des forces naturelles ravivent chez l'homme le sens de sa fragilité. Il ne peut exister de vraie croyance sans humilité. C'est un peu l'esprit du pardon breton, comme celui qui se déroule à Sainte-Anne-de-la-Palue chaque dernière semaine d'août. Le mot « pardon » évoque bien la notion de pénitence, tout en étant en même temps synonyme de fête. Ici, c'est Sainte-Anne, patronne de la Bretagne, que l'on vient honorer. De nombreux participants ont revêtu pour l'occasion les costumes traditionnels de leurs régions respectives. Pas de pardon sans procession. Elle respecte un parcours immuable lié à la tradition religieuse. Les membres de chaque paroisse sont précédés de leur bannière brodée à l'effigie du saint local. La statue de Sainte-Anne a été sortie du sanctuaire pour être transportée par 4 femmes le long du trajet. Dans les lieux de culte situés sur le littoral, le cortège fait halte devant la mer. C'est l'occasion d'invoquer la protection divine pour tous ceux qui devront en affronter les dangers. Aux marins d'État, à ceux qui naviguent au commerce, comme à ceux qui pratiquent la plaisance. La seconde moitié du XXe siècle a vu diminuer l'adhésion à l'Église catholique, sinon aux valeurs qu'elle représentait. Les pardons ont résisté à cette érosion de la foi et rassemblent toujours des foules importantes.
Peut-être, au-delà de leur aspect religieux, sont-ils profondément ancrés dans la tradition. Ils constituent une expression forte de la vie sociale pour beaucoup de Bretons. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité. Enserrée entre la presqu'île de Crozon et la pointe du Raz, la baie de Douarnenez dessine un immense bassin de 20 km de longueur. C'est là que se situerait la légendaire ville d'Is, engloutie par les eaux. Selon la tradition celte, Is conserverait sous la mer une existence fantomatique et mystérieuse. Bien réel, le port de Douarnenez s'est établi au fond de la baie. Douarnenez connut son heure de gloire du temps où il était l'un des premiers ports de pêche français, capitale mondiale de la Sardine. Ses quais résonnaient de l'activité des chalutiers débarquant leurs prises vers les conserveries de la ville. Vers les années 1970, la raréfaction de la ressource et la concurrence des flottes de pêche étrangères ont entraîné un déclin irréversible de l'activité. Comme pour ressusciter ce passé, Douarnenez organise tous les deux ans la fête de la mer, rassemblant voiliers et vieux gréements, navires écoles et remorqueurs géants. En un mot, tout ce qui flotte. Grand jour que celui de la mise à l'eau du Papa Poidneau, un des premiers canots utilisés dans les années 1900 par la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Racheté et restauré par une poignée de passionnés, ce canot illustre le travail effectué par les bénévoles de la SNSM qui chaque année sauvent des dizaines de vies au péril de la leur. Les compétitions d'yole rassemblent également des passionnés de navigation traditionnelle. Car il faut l'être passionné pour embarquer à bord de ces chaloupes de 38 pieds, naviguant à la rame et à la voile. L'équipage d'une yole de Bantry compte en général 10 personnes appelées rameurs, bien qu'ils soient également responsables des manœuvres de voile. Ils obéissent aux commandes d'un maître de bord posté à l'arrière qui tient la barre et ordonne les manœuvres. C'est à la rame que chaque yole se rend au départ de la régate. Lève rame. Avec en passant un regard admiratif pour le penduit naviguant avec toute sa toile. Pour les yoles, la partie voile n'est pas la plus simple. Pour faire court, disons que chaque virement de bord oblige à tomber les deux mâts portant la grand voile et la misaine, que les écoutes se bordent sur des taquets à la force des bras, et que l'absence de lest oblige tout l'équipage à se mettre au rappel. Si vous avez des adolescents hyperactifs, mettez-les donc à la yole. En fin de régate, les yoles croisent l'abeille Bourbon au mouillage, le plus moderne des remorqueurs d'intervention et d'assistance. De Douarnenez à la pointe du Raz, la côte de Cornouailles offre une multitude de crêtes sauvages couronnées de landes et d'ajoncs, une succession de promontoires de granit peuplés d'oiseaux de mer. La sévérité des lieux rend la présence de l'homme aléatoire sur ces terres balayées par les vents. La seule baie qui vient échancrer le chaos rocheux porte un nom sinistre,
évoquant le corps des marins rejetés par les flots, la baie des Trépassés. La protection divine paraît l'unique solution de celui qui affronte le Ratzin un jour de tempête, lorsque les vagues explosent sur le phare de la Vieille et blanchissent d'écume la pointe du Raz. Même lorsque les falaises font place aux étendues sableuses de la Torche, la mer déchaînée confère au rivage une apparence tragique, rendant improbable ce que l'endroit peut devenir par un après-midi d'été. C'est à l'approche des côtes que la mer devient la plus dangereuse. Depuis l'Antiquité, les phares ont balisé la nuit des marins. À la pointe de Pinmar se dresse un beau centenaire, un corps de 65 mètres en granit de Kersanton, un escalier intérieur de 307 marches, aux murs recouverts d'opaline. On doit ce monument à la fille du général Davout, prince d'Ecmul, qui légua sa fortune pour que les vies sauvées par un phare viennent racheter celles perdues dans les guerres napoléoniennes. En pays Bigouden, on ne fait, paraît-il, rien comme tout le monde, à commencer par la coiffe des femmes. À Saint-Guénolé, nous avons rencontré Alexia et Marie-Jeanne, deux charmantes octogénaires, parmi les dernières à porter la coiffe au quotidien. Bon, après on met le pain. Moi je me suis mariée en 47 et la coiffe était quand même un tout petit peu plus petite qu'elle est maintenant. Bon, après alors je passe le ruban ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire le nœud. Ma mère avait comme ça son nœud. Et après, quand on est venu plus jeune, sans doute, on était plus coquette aussi, sans doute. Hein. Poser une coiffe de cette importance est donc une opération délicate qui prend une vingtaine de minutes. Et l'édifice doit être bien arrimé dans un pays où le vent a tendance à décoiffer. Restées très actives, Alexia et Marie-Jeanne occupent leur retraite en participant à de nombreuses fêtes et manifestations folkloriques. La seule condition pour s'y rendre étant de trouver une voiture à toit ouvrant. Voilà. La coiffe est mise en vitesse. Et la coiffe est posée. Oui, mais non, je ne sais pas. Et quand on va quelque part, on regarde avec le petit miroir derrière, c'est bien. Hein. La coiffe fait partie de leur vie. C'est ainsi qu'elles se sont mariées et ainsi qu'elles ont travaillé 40 ans à la conserverie locale. La Bretagne perd sa langue, du moins celle qui lui reste, la plus emblématique, la celte, celle parlée dans la partie occidentale. L'autre langue, le gallo d'origine romane, autrefois parlée en Haute-Bretagne, est depuis longtemps tombée en désuétude. Ce déclin résulte de plusieurs siècles de répression du pouvoir central contre les particularismes locaux dont les langues sont l'expression la plus vivante. À la fin des années 1970, la création des écoles Diwan, ce qui signifie le germe en français, offrit enfin la possibilité d'une scolarisation maternelle et primaire en breton. Cette classe regroupe des élèves de différents niveaux, allant du CP au CM2. Tous suivent un programme identique à celui de l'école publique, sinon qu'il est dispensé en breton. L'instituteur passant d'un groupe à l'autre pour assurer le suivi de chaque niveau. Les parents de ces enfants ne sont pas tous bretonnants et leurs motivations pour cette forme d'éducation sont diverses. Les uns ont vraiment la fibre celtique, d'autres sont portés par la dynamique culturelle bretonne. Beaucoup reconnaissent aussi l'avantage d'un bilinguisme précoce, l'ouverture d'esprit et la gymnastique mentale qu'il procure. L'ensemble des écoles Diwan regroupe environ 3000 élèves sur toute la Bretagne, auxquels s'ajoutent des filières bilingues de l'éducation nationale. C'est peu en soi, mais c'est un bond énorme par rapport à un passé pas si lointain. Le Guilvinec, un des trois plus importants ports de pêche français, le premier par la valeur débarquée. Ici, la pêche, c'est du sérieux. Toute la région en vit, plutôt bien, après en avoir vécu très bien. Quand la profession se sent menacée, c'est souvent au Guilvinec que ça éclate. Il est tôt à bord du Risten, en route pour sa journée de pêche côtière. Le chalutier est l'un des 130 navires basés au Guilvinec.
Comme la plupart, il fonctionne en équipage réduit, un patron pêcheur et deux marins. Lotte, merlu ou raie représentent les espèces les plus couramment pêchées. Mais elles se font rares en saison estivale où ce sont les langoustines qui garnissent alors les chaluts. Le tri se fait à la main, à genoux sur le pont. Les langoustines n'atteignant pas une taille minimum sont rejetées à la mer. Les autres sont entassés dans des bacs réfrigérants. Depuis plusieurs années, la pêche est en crise. La première des causes étant la raréfaction de la ressource. Patrice Donard, le patron du Risten, est bien conscient du problème. Les professionnels se sont pris en main quand même pour gérer au mieux la ressource. Et tout ça, c'est encadré mais non par des quotas de pêche, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de pêcher plus de certaines quantités. Et c'est encore plus verrouillé avec un système de licence, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas aller pêcher n'importe quoi à certaines périodes. Mais est-ce que tout ça, ça n'a pas été mis en place trop tardivement? J'espère que non. Reconstituer les stocks, toute la question est là. Mais le système va à l'encontre de cette politique. Sur les chalutiers, les marins sont payés à la part, c'est un pourcentage sur le poisson vendu. L'achat d'un navire et son entretien coûtent très cher. Le remboursement des emprunts pousse également à la surpêche. À peine débarqués, caisses de poissons et de crustacés partent à la criée. Un système d'enchères électroniques où seuls les professionnels se retrouvent. C'est là que se déterminent les cours de ce que l'on retrouvera plus tard dans les assiettes. Allez, on est au numéro 18, tac au petit, le 15 et le 16. Concarneau, dont le nom signifie en breton « la bête cornouaille », a su compenser la baisse d'activité de son port de pêche par la construction navale et le tourisme. La ville close, bâtie sur un îlot, attire particulièrement les visiteurs. Rien, a priori, ne semblait destiné Pont-Aven à une renommée dépassant le cadre de la Bretagne. Connue jusque-là pour ses nombreux moulins, cette petite bourgade allait voir affluer au milieu du 19e siècle des peintres de toute l'Europe et des États-Unis. Quelle raison pouvait donc les pousser à venir jusqu'ici? La réponse, nous l'avons obtenue au Musée des Beaux-Arts. Dans la chronologie de l'arrivée des peintres à Pont-Aven, on cite les années 1860 comme étant des années décisives lorsqu'arrivent les Américains, mais ensuite il y a un engouement qui se prolonge. Et en fait, cet engouement ne tient pas seulement à la beauté du site de Pont-Aven, mais aussi à la qualité de l'accueil des aubergistes sur place. Et cette qualité devient renommée, recherchée. Et à titre d'exemple, eh bien, cette porte qui a été peinte par Fernand Morin, donc l'un des artistes qui a séjourné à Pont-Aven, montre à quel point il jouissait d'une certaine liberté, y compris dans les hôtels et les auberges. Et en fait, les peintres étaient très heureux à Pont-Aven parce que d'une part, ils n'avaient plus aucune contrainte matérielle. Les aubergistes s'occupaient de tout, de la chambre, du couvert. S'il y avait des difficultés de paiement, eh bien on pouvait s'arranger en laissant un ou deux tableaux, voire plus. Et surtout, s'ils souhaitaient recouvrir les murs, eh bien c'était possible. Otto Weber fait partie de ces artistes de l'étranger qui sont venus en Bretagne très tôt. Pont-Aven est fréquenté par les artistes de l'étranger dès les années 1860, aussi bien les Américains que les Allemands. La vue du Bois d'Amour par Marie Luplot vient d'être acquise par le musée de Pont-Aven en septembre 2006. C'est le tableau d'une Danoise, une femme émancipée qui est venue en France pour compléter sa formation d'artiste peintre, notamment en paysage.
Et elle choisit de venir en Bretagne parce que la Bretagne, dès les années 1880, devient un point de passage obligé pour les artistes pour se nourrir justement du littoral breton et de la qualité de la lumière. Nous sommes devant l'une des plus belles œuvres du musée de Pont-Aven, signée par Paul Gauguin, figure tutélaire de l'école de Pont-Aven. Paul Gauguin a réalisé ce pastel en 1894. Lorsque Gauguin réalise ce pastel, il est sur le point de quitter définitivement la Bretagne pour partir aux Marquises. Et il choisit de représenter deux têtes de Bretonnes, dit-on, deux meunières qu'on reconnaît avec leur coiffe et leur blouse. Mais surtout, lorsqu'on regarde de plus près les traits du visage, on se rend compte que la femme à gauche est peut-être très bretonne, mais celle placée à droite est peut-être un peu plus déjà avec des traits tahitiens. Oui, les peintres avaient bien perçu la qualité de la lumière en Bretagne, ses variations constantes, l'infinie palette de ses nuances et de ses contrastes. Ces instants où la terre, la mer et le ciel se fondent puis se détachent pour se rejoindre encore. Bâti à l'entrée d'une magnifique rade, Port-Louis et sa citadelle prirent ce nom lorsque Louis XIII fit du bourg de Blavet une ville royale. Devenu le siège de la Compagnie des Indes orientales sous Colbert, Port-Louis déclina vite au profit d'une ville située en face, sur la rade, une ville au nom prédestiné, Lorient. Lorient est l'une des rares villes de Bretagne créées dès son origine avec un nom de langue française. Un paradoxe pour une cité devenue au fil du temps la capitale de la culture celtique. Chaque année, le festival interceltique rassemble des groupes de musique et des troupes de danseurs venus de tous les pays de tradition celte. Pendant 10 jours, la ville devient alors un lieu de spectacle permanent. Bien entendu, ce festival donne l'occasion à la culture bretonne de s'exprimer sous toutes ses formes, et pour certains, l'opportunité de découvrir des jeux ou des sports traditionnels remis à l'honneur. Mais on vient ici avant tout pour la musique et la danse. La grande parade des nations celtes permet d'appréhender la diversité des costumes et des instruments des pays participants, irlandais, britanniques ou ibériques. Tous les ans, une nation est l'invitée d'honneur du festival. Cette fois-ci, il s'agit de l'Australie, dont une partie du peuplement fut à l'origine constituée d'Irlandais, d'Écossais ou de Gallois. Les meilleurs bagadous de Bretagne participent au défilé, dont le célèbre bagad de Llanbihwe, représentant la marine nationale.
En soirée, dans le stade du Moustoir, sonneurs et danseurs se retrouvent toutes nations mêlées pour célébrer la fraternité des cultures celtes dans une grande fête populaire. Les cimetières marins n'abritent pas que le repos des hommes. Si le sentier vous mène par le Moguer, arrêtez-vous un moment près d'une vasière qui a recueilli ces bateaux qui ont servi les travailleurs de la mer. Sinago, langoustier, bisquine, sardinier, ils reposent là leurs membrures de bois rongées par le sel, vestiges oubliés d'un passé qui s'écaille, comme la peinture sur leur coque. Passé la Ria d'Etel, le chemin mène à la presqu'île de Quiberon. Pour les visiteurs d'aujourd'hui, Quiberon est synonyme de balade le long de la côte sauvage ou de séjour en thalasso. Qui se douterait que ce lieu est aussi chargé d'une histoire douloureuse? C'est ici qu'en juillet 1795, les troupes républicaines du général Hoche écrasèrent 5400 émigrés royalistes venus d'Angleterre, auxquels s'étaient joints les 12 000 chouans morbihanais de Cadoudal. La répression fut terrible. Sur les 6 000 prisonniers faits par les républicains, 750 furent passés par les armes. Leurs cadavres furent jetés dans ce que l'on a appelé plus tard le champ des martyrs. L'époque n'était pas à la clémence. Carnac. 4400 habitants en hiver, plus de 40 000 en juillet où les estivants s'abattent comme une pluie de criquets sur les plages du littoral. Il existe d'autres raisons que le tourisme balnéaire de se passionner pour Carnac. Cette commune recèle les plus importants vestiges mégalithiques d'Europe. Ici, 2000 ans avant les premières pyramides d'Égypte, des hommes ont commencé à élever des pierres et à les ordonner en des ensembles qui fascinent par leur ampleur. À Carnac, ce sont plus de 3000 menhirs qui s'alignent sur 4 km, entre les sites du Menec, de Kermario et de Kerlescan. Bien qu'il y ait peu de certitudes sur la signification de ces alignements, leur rôle cultuel semble aujourd'hui admis. Ces fils de menhirs canalisaient le cheminement des participants vers un espace sacré de forme arrondie où se déroulaient des pratiques cérémonielles. Par ailleurs, on a retrouvé des menhirs isolés, de taille souvent imposante, comme le géant du Magno, ou le menhir brisé de Locmariaquer, qui mesurait à l'origine 20 mètres pour un poids de 280 tonnes. Le Morbihan offre une concentration exceptionnelle de sites mégalithiques. Mais il n'est pas le seul endroit. On en retrouve des vestiges dans toute la Bretagne. Il est même probable que plusieurs de ces monuments se trouvent aujourd'hui sous la mer. Les hommes du Néolithique vivaient durant la fin de la dernière période glaciaire. Il y a 5000 ans, le niveau des océans était inférieur de 7 à 8 mètres au niveau actuel. On a longtemps vu dans les dolmens des sortes d'hôtels païens en raison de leur forme tabulaire. On sait aujourd'hui qu'il s'agit de la partie restante de monuments funéraires. Ces charpentes de pierre étaient autrefois recouvertes de terre, abritant les chambres sépulcrales. Au cours des âges, certains sites mégalithiques ont continué d'être des lieux de culte, d'abord druidiques et par la suite chrétiens, comme en témoignent de nombreux menhirs christianisés. Niché au fond de son estuaire donnant sur la baie de Quiberon, la Trinité a développé un des principaux ports de plaisance de Bretagne. Ses quais accueillent les grands bateaux de course de retour d'une transat ou préparant leur prochain tour du monde. C'est du ciel qu'il faut voir le golfe du Morbihan pour mesurer la signification de son nom breton, la petite mer.
42 îles parsèment cette étendue maritime de 100 km², reliée à l'océan par un étroit passage où les courants de marée sont les plus forts d'Europe. À l'entrée du golfe, sur la pointe de Kerpenir, la statue de Notre-Dame de Kerdro veille sur les bateaux. Un tiers de la superficie du golfe est constitué de vasières découvertes à marée basse. Certaines îles deviennent alors accessibles à pied sec, voire à pneus secs en utilisant les gouas. À certaines époques, le golfe dégage une sorte de magie, où la douceur des paysages se fond dans celle des lumières. Une magie de plus en plus menacée par un urbanisme envahissant et la prolifération des moteurs de bateaux et de voitures. Heureusement, il reste des oasis de quiétude, comme cette fontaine de Saint-Philibert et sa chapelle, que l'on croirait sortie d'un conte pour enfants. Au fond du golfe, le port de Saint-Goustan semble figé dans le passé, à l'époque où son activité faisait vivre tout le pays d'Auray. Tous les deux ans, en mai, les communes du golfe organisent une semaine de festivités et d'activités nautiques, dont le point d'orgue est la parade de centaines de voiliers, vieux gréements, yoles, profitant de la renverse des courants pour entrer dans le golfe. Édifié dans un cadre exceptionnel en bordure de l'océan, le château de Sussigneaux représente un des plus beaux patrimoines architecturaux de la fin du Moyen-Âge. Résidence préférée des ducs de Bretagne qui venaient chasser dans les forêts environnantes, ce château appartient aujourd'hui au Conseil général du Morbihan et a bénéficié d'un remarquable travail de restauration. On a mis à jour dans les soubassements de la chapelle un dallage en mosaïque qui a fait l'objet d'un soin tout particulier. Démonté pierre par pierre pour sa rénovation, il est maintenant exposé dans les salles du château. Sur la plage de Saint-Marc-sur-Mer, j'ai retrouvé une vieille connaissance, M. Hulot. Il n'a pas pris une ride et son regard semble toujours aussi étonné par ses contemporains. À la Baule, le sentier des douaniers s'interrompt, comme impressionné par les 8 km de plage et la barrière d'immeubles qu'il aborde. Pour une fois, il faut quitter le littoral pour retrouver juste en retrait un réservoir de richesses naturelles, la Grande Brière. Situé entre l'estuaire de la Loire et l'Atlantique, ce marais de 20 000 hectares constitue la deuxième zone humide de France après la Camargue. Mosaïque de tourbières, de roselières, de prairies inondables et d'étangs, la Brière a été de longue date aménagée par l'homme pour en tirer une subsistance. C'est l'homme qui a tracé tout un réseau de canaux pour se déplacer à travers le marais sur des chalands propulsés à la perche. Et le marais, lui, était l'alimentation des bêtes. Le foin, et puis l'herbe. Les gens trouvaient tout. Parce qu'il y avait la coupe de la Motte. La tourbe qui était coupée, la courbe était coupée pour le chauffage. Ça servait au chauffage et également à l'exportation. C'est pour ça que le blin, on l'a refait un peu pour ça, parce que les blins remontaient, pouvaient remonter très loin pour le transport de la tourbe. C'est donc jour de fête sur le marais. Les Briérons sont venus baptiser un nouveau blin construit à l'identique de ceux qui, au siècle dernier, transportaient la tourbe jusqu'à Saint-Nazaire et Nantes. L'originalité de la Brière tient à ce qu'elle est propriété indivise de tous les habitants des 21 communes riveraines, privilège concédé en 1461 par François II, duc de Bretagne. Avec l'évolution du mode de vie, les Briérons ont progressivement délaissé leur marais. Les canaux s'envasent, les zones humides s'assèchent avec des répercussions sur la faune et la flore.
La création du parc naturel régional de Brière vise à renverser cette tendance en incitant les nouvelles générations à s'investir dans le développement durable de ce patrimoine unique. À Saint-Nazaire, la statue du soldat représentant l'arrivée des troupes américaines en France en 1917 marque la fin du GR34. Pour le randonneur parvenu jusque-là, ce n'est pas seulement le bout du chemin. C'est aussi l'entrée dans une autre Bretagne qui a su panser ses plaies pour rebondir. Celle qui est devenue la 8e région d'Europe pour le développement économique. Celle qui lance sur la mer des paquebots de croisière géants et des méthaniers de 300 000 tonnes. Celle qui construit des Airbus. Comment finir un cheminement sur cette Bretagne-là, tournée vers l'avenir et la douteuse beauté des patrimoines industriels? Pour trouver la fin des terres, il faut d'abord prendre la mer. C'est bien à Ouessant que l'on peut ressentir cette impression de bout du monde. Sentinelle barrée d'écueils, perdue dans l'océan comme la balise du continent, Ouessant a tissé son propre univers sur la trame du vent et des tempêtes. Un monde de femmes s'échinant sur une terre ingrate pendant que leurs hommes naviguent au loin. Les moutons nains qui peuplaient l'île à l'origine ont aujourd'hui disparu, remplacés par des races venues du continent. Cela ne les a pas empêchés de prospérer au point d'être plus nombreux que les hommes. À la fin de l'été, les Ouessantins taillent la corne et refont les marques de leurs moutons qui vont errer librement tout l'hiver. Qui voit Ouessant voit son sang. Le dicton a fait frémir des générations de marins les jours de brume ou de tempête. Maintenant, les puissants feux des phares du Créac et de la Jument guident les navires dans la nuit et la tourmente. L'abbaye Bourbon, le chien de garde du rail d'Ouessant, vient aussi y prendre ses quartiers avant les tempêtes d'automne. C'est à Ouessant qu'il faut venir boucler une errance. Après avoir effleuré en route les richesses du monde, il n'est pas inutile d'achever son parcours dans le dépouillement de la terre. Ici, seule l'immensité des flots et l'infini du ciel vous enveloppent. Rien ne limite le regard. C'est alors que Ouessant peut donner envie d'un nouveau départ, d'un ailleurs, peut-être d'un nouveau monde. Pour la jiquée, la polka, écoutez ça les gars, vous faites l'américain.
Si la tombe connaît cette chance, c'est Henri Jacques de notre pont. Si elle est à votre goût, les gars, faut lui payer un coup. Avec sa mine de trafiquant, faut lui lancer les dents. On va lui un coup de tafia et je vous jure bien qu'il a poil. Avec mon harmonica, je veux la poil à la monica, pour la giguer la polka, il connaît ça, les gars, on va faire la monica. Matelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau. Oh. Souvenir de toupet, des bouteilles de rhum et de whisky. Une montre qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac. J'ai mis l'harmonica que j'avais acheté à Malaga. Hey. Avec mon harmonica, ça vient pas.